Bien le bonjour et bienvenue en salle de conférence. Le chauffage vient d'être déclenché, donc vous allez être mieux dans un moment, dans pas longtemps d'ailleurs, et vous allez de toute façon être tellement absorbé par les images et les infos à enregistrer que vous ne sentirez plus du tout la fraîcheur, tout ira bien dans un instant. Je vous demande d'accueillir pour la présentation de cette passion de l'étude de la bouillette, monsieur Augustin Carr. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents pour cette conférence, je vois qu'il y a quand même pas mal de monde, c'est super sympa. Alors, la thématique de cette conférence, ça va être le secret de la bouillette. J'ai même pas besoin de poser des questions. Il est très éloquent, hein, Augustin, et ça fait plaisir. Stapio, c'est une entreprise scientifique, d'études. Exactement, l'essor même de Stapio, c'est à la base un groupe de passionnés qui a envie de mieux comprendre les appâts qu'il emploie pour sa pêche personnelle. Et au vu des résultats qu'on a eus, on s'est dit qu'on allait publier un livre pour en parler un peu autour de nous, parce qu'on a trouvé des trucs pas mal, vous allez le voir. On a trouvé des trucs pas mal, dit-il. Très, très branché science, hein, Augustin. Augustin, vous allez pouvoir le rencontrer, échanger avec lui, connaître sa passion, et vous qui êtes passionné, bien, tout simplement engranger des informations. Augustin, vous avez la particularité d'être un jeune scientifique. Jeune? Quel âge? 25. 25 ans. Et vous êtes déjà lieutenant? Mon lieutenant? N'en faites pas trop. Bah si, il faut préciser quand même qu'il est lieutenant dans l'armée de l'air, il est pilote de chasse et passionné de pêche sportive. C'est pas n'importe qui. Applaudissements pour Augustin Carr. C'est bien mérité. Ah, merci beaucoup, c'est gentil. Donc on n'en dit pas plus alors, hein. On laisse la diffusion et vous avez peut-être des commentaires à apporter en même temps que les images, je sais pas. Bah, on a une petite présentation qui dure environ 30 minutes dans laquelle on va présenter les résultats qu'on a eus et parler un petit peu de bouillette. Et puis à la fin, une série de questions-réponses où je serai tout ouïe pour toutes vos questions. Super, merci beaucoup Augustin Carr pour Stapio avec son équipe d'ailleurs, vous les rencontrerez tout à l'heure. Et c'est parti, hein, pour la présentation. Bah, très bien. Allez, c'est parti. Le secret de la bouillette. Alors le secret de la bouillette, déjà merci à tous d'être présents. J'espère que vous avez tous récupéré un petit marque-page. Ce petit marque-page, c'est à la fois un mémo, un souvenir de cette conférence, mais en plus un petit guide qui va vous accompagner. Si vous ne l'avez pas récupéré, il est présent sur le stand et puis on en a encore ici en stock. On vous les distribuera à la sortie. Alors le secret de la bouillette, on va parler à pas, effectivement. On va parler d'analyse qu'on a réalisée. Mais avant tout, je vais présenter un peu Stapio, donc on a dit quelques mots, mais je vais aller un peu plus en profondeur, vous en parler plus concrètement. On va parler de la vie d'une bouillette, donc comment une bouillette, lorsque vous l'immergez, comment elle se comporte, comment elle évolue au fil du temps d'immersion. On va parler d'un paramètre qui est très important aussi, ça va être l'influence de la température, parce que vous allez voir que ce paramètre-là, il joue un rôle capital dans le comportement d'un appât. Et comme quoi, choisir son appât en fonction de la saison, c'est assez intéressant. Et enfin, on va quitter la théorie, on va passer sur des choses très pratiques, et regarder comment choisir et concevoir son appât, parce que c'est finalement la question que tout le monde se pose. Stapio, qu'est-ce que c'est? Donc c'est, comme je l'ai expliqué, un groupe de passionnés. On est scientifique de formation, surtout moi, et j'ai voulu comprendre un peu comment fonctionnaient mes appâts, parce que j'étais un peu influencé par beaucoup de on-dit dans le milieu de la pêche. C'est assez, on a beaucoup d'informations et on est rapidement saturé. Et donc j'ai souhaité mettre en place mes connaissances scientifiques pour comprendre les appâts. Et on a découvert des choses assez intéressantes, et finalement est née l'idée de publier un livre, Le Guide de la Bouillette, qui a vu une première édition en 2021, et grâce au succès de cette première édition, et on s'est lancé dans une deuxième édition, le Guide 2022 de la Bouillette. Dans ce guide, on étudie la diffusion des appâts, plus d'une centaine d'appâts du commerce ont été analysés. On a étudié également la résistance à l'immersion, donc comment votre appât se comporte quand il est immergé dans l'eau, comment la résistance aux indésirables évolue, mais également l'impact de la température et d'autres choses. Il faut savoir que cette conférence, elle va regrouper 10% de ce qu'on explique dans le livre. Le livre, il fait 170 pages, donc j'ai pas pu tout dire en 30 minutes, j'ai essayé d'être succinct et de vous résumer l'essentiel. La vie d'une bouillette. Donc une bouillette, une fois que vous la mettez dans l'eau, ça y est, elle commence à agir. Elle commence par diffuser, c'est son rôle primaire, on va dire. Ça va être de libérer des attractants pour guider les poissons vers votre hèche, vers votre cou. Elle est soumise à des contraintes, notamment l'immersion, donc l'action de l'eau directement sur la matrice de la bouillette qui va la fragiliser, la faire gonfler, etc. Et également, potentiellement, les indésirables qui peuvent aussi consommer votre appât et mettre un terme à sa vie. Voilà comment évolue une bouillette, je ne vous apprends pas grand-chose. Là, on va parler un peu plus chiffres. Donc on va parler diffusion d'un appât. Donc ça, c'est une courbe moyennée de l'ensemble des résultats
de tous les arrêts de parc qu'on a analysés dans le commerce. Donc cette courbe moyenne, vous avez sur l'axe horizontal le temps en heure et l'axe vertical le pourcentage de diffusion, si vous voulez. Cette expérience a été réalisée à 20 degrés Celsius parce que, comme vous allez le voir, la température est un paramètre capital. C'est pour ça que je le précise. Premier chiffre important qui est marqué sur votre petit mémo, c'est qu'au bout de 5 heures, votre appât en moyenne, il a perdu 50% de ses attractants qui sont libérables. Et au bout de 20 heures, 90% de ses attractants sont libérés. Donc voilà, quand quelqu'un vous affirme que son appât diffuse en 50 heures, 60 heures, 70 heures, c'est pas impossible, mais ça reste suspect. Donc voilà des premiers ordres de grandeur que je vous invite à retenir. Je souhaite pas que vous reteniez 20 heures précisément, et l'appât, au bout de 20 heures et une seconde, il n'arrête pas de diffuser, il continue. Mais voilà, il faut redire que voilà, en une journée, globalement, eh bien, votre appât il aura diffusé l'ensemble de ses attractants. Et que surtout, si on retient l'allure générale de la courbe, il diffuse de façon très intense sur les premières heures, et après ça ralentit fortement. Les résultats qu'on a eus sont aussi assez diversifiés. Donc là, vous avez sur l'axe vertical un temps en heure, et chaque point, c'est une bouillette qu'on a analysée, enfin une recette qu'on a analysée du commerce. Elle est volontairement anonymisée, et on peut voir que globalement, tous les recettes, ou la grande majorité, se retrouvent voilà, autour de la vingtaine d'heures, c'est ce que je vous expliquais, une vingtaine d'heures de temps de diffusion. Mais on a quelques extraterrestres voilà, qui dépassent les 40 heures, et d'autres qui au contraire sont plus proches d'une poignée d'heures. Donc il y a quand même une belle hétérogénéité au niveau du comportement des appâts, et comme quoi choisir le bon appât, eh ben, ça peut être intéressant. Donc si vous faites une pêche au stalking très rapide, je vous invite à plutôt chercher cet appât-là. Si vous faites un ALT et que vous avez besoin que votre appât diffuse en 40 heures, allez plutôt regarder celui-là. Deuxième point important, ça va être comment un appât en fait, il est influencé par l'eau. Donc l'appât, quand vous le mettez dans l'eau, l'eau va migrer par capillarité vers le cœur de l'appât. La capillarité, c'est exactement comme lorsque vous trempez du café dans du sucre. Le sucre, il remonte, dans l'appât, c'est la même chose, l'eau migre vers le milieu. Et donc, en migrant vers le milieu, il va venir briser des liaisons physico-chimiques par hydrolyse. Et en brisant ces liaisons physico-chimiques, il va permettre la solvatation et la dissolution des attractants qui vont ensuite se répandre dans le milieu subaquatique. Qu'est-ce qu'on retient de cette courbe ? Eh bien, c'est qu'en fait, au bout de 20 heures, encore une fois, on a à peu près 15% de l'appât qui est composé d'eau. Et en fait, on a l'impression que cette courbe, elle continue, mais en fait, elle devient très plate après. Et donc, en moyenne, un appât, il va se gorger à 15% d'eau. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'on retient ? C'est que, à partir du moment où vous l'immergez, très très vite, il va se gorger en eau. Et sur la fin de sa vie, il va beaucoup moins se gorger. Et donc, un autre chiffre qui est intéressant, c'est si vous voulez booster vos appâts, au préalable, il faut au moins les booster 5 heures pour qu'il y ait au moins 10% de l'appât qui soit composé de votre boost. Si vous le trempez une seconde avant de le jeter à l'eau, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas grand-chose qui est rentré dans l'appât. En plus de cette pénétration de l'eau, ce que ça va faire, ça va aussi fragiliser votre appât et permettre aussi l'action des indésirables. Et donc c'est pour cette raison que on l'a tous vécu, quand on pêche dans un lieu où les indésirables tels que les écrevisses, les poissons-chats sont actifs, l'appât il résiste une poignée d'heures, et c'est très rare que le lendemain, après une nuit de pêche, on ait encore quelque chose au bout de l'hameçon. Donc voilà pour ces premiers chiffres, ça c'est très théorique, mais ça permet au moins de fixer quelques ordres de grandeur. Vous avez sur votre petit marque-page un résumé qui va vous permettre de suivre le fil de cette conférence. Maintenant, on va parler de quelque chose qui est vraiment capital, c'est l'influence de la température de l'eau. Alors pourquoi se concentrer sur la température de l'eau ? La température de l'eau, c'est quelque chose qui est palpable. On peut tout à fait arriver au bord de l'eau, tremper sa main et se dire « Ok, l'eau est plutôt à 10 degrés, 20 degrés ». Et on peut également anticiper ce paramètre en fonction de la météo. Une semaine avant la pêche, eh bien, on peut se dire « Ok, il fait très beau, très chaud, normalement l'eau va plutôt être à 20 degrés Celsius ou plutôt à 15. En ce moment, si je devais pêcher autour de mon luçon, je pense que l'eau sera plutôt à 5-7 degrés Celsius. Donc je peux tout à fait prévoir une pêche, anticiper l'appât que je vais choisir par le biais de ce paramètre. Et en fait, on a aussi découvert quelque chose de très intéressant qui est l'effet robinet que je vais vous détailler, qui permet en fait d'expliquer comment se comporte votre appât au fond de l'eau en fonction de la température. Tout d'abord, la première question qu'on peut se poser, c'est en fait, est-ce que la température joue vraiment un rôle différent, enfin un rôle dans le comportement de votre appât ? Donc là, vous avez la diffusion d'un appât dans une eau à 6 degrés Celsius en bleu, 16 en vert et 24 en rouge. L'appât est volontairement anonymisé. Et vous voyez qu'on obtient un temps de diffusion de 20 heures dans une eau à 6 degrés, 26 dans une eau à 16 et 35 dans une eau à 24. Donc en fait, quand la température augmente, le temps de diffusion augmente également et il augmente considérablement. On varie presque du simple au double. Et par conséquent, ça vaut vraiment le coup de réfléchir au choix de son appât. Si vous pensez avoir le même comportement d'appât dans une eau en plein hiver et dans une eau en plein été,
ben, on fait un peu fausse route. Enfin, on va avoir une diffusion qui va être beaucoup plus, qui va être franchement modifiée. Au-delà du temps de diffusion, il y a aussi l'intensité de la diffusion qui va fortement varier. Si vous prenez un sachet de thé et que vous le mettez dans une eau à 5 degrés Celsius et dans une eau à 90 degrés Celsius, on voit tout de suite que l'eau elle se colore beaucoup plus rapidement à 90 degrés Celsius. Et ben c'est un peu la même chose qui se passe avec l'APA. C'est un peu comme un sachet de thé et à 90 degrés Celsius, et bien, il vient beaucoup plus marquer l'environnement subaquatique. L'effet robinet, qu'est-ce que c'est? Et bien ça permet d'expliquer un peu ce que l'on observe. Grossièrement, on a modélisé une bouillette par cette espèce de grand rectangle qui comporte deux réservoirs. On a les petits cœurs qui correspondent à des attractants qui vont être libérables dans le milieu subaquatique. Et chaque réservoir a un robinet. Donc il y a le robinet de la diffusion qui explique en fait que les appâts, une fois qu'ils sont immergés, bah, les attractants ils peuvent globalement se mouvoir une fois qu'ils sont dans l'eau et quitter l'appât et en direction des poissons. Et vous avez le robinet de la température en fait, qui donne accès à un autre réservoir qui peut être plus ou moins ouvert. Et donc en fonction de la température, ce deuxième robinet il peut être ouvert, fermé, entre-ouvert. Et c'est là-dessus en fait, qu'on va jouer. Comment l'expliquer en fait? Pourquoi est-ce qu'on arriverait à ce schéma-là? En fait, si vous voulez, lorsque l'appât est immergé, l'eau va migrer vers le cœur comme on l'a vu dans la première partie. Et l'eau va venir ensuite solvater et dissoudre les attractants. Un petit peu, si vous voulez, comme lorsque vous mettez du sel dans de l'eau, eh ben, l'eau va se dissoudre. Sauf que cette dissolution, elle dépend de la température. Si vous prenez une casserole d'eau froide et que vous mettez une certaine quantité de sel, au bout d'un moment, bah, le sel il va plus se dissoudre, il va rester solide. Vous prenez votre casserole, vous la mettez sur le feu, vous faites chauffer, bah, le sel qui était resté solide, eh ben, il va se mettre à se dissoudre. Donc vous voyez que ce phénomène de dissolution, il dépend de la température. Donc ça, c'est une petite métaphore en fait, pour expliquer l'existence de ce deuxième robinet de la température. Je vais vous le schématiser de façon très concrète. Donc à gauche, une eau chaude, à droite, une eau froide. Dans l'eau chaude, le robinet de la température, il est grand ouvert. Et donc les réservoirs vont pouvoir communiquer et libérer des attractants. Vous voyez, au fur et à mesure que le réservoir de gauche se vide, les attractants se libèrent. Ça met un peu de temps parce qu'il y a beaucoup d'attractants. Et voilà, tous les attractants sont libérés. Lorsqu'on est en eau froide, le robinet de la température, il est fermé. Et donc on a accès à un seul réservoir qui libère ces attractants. Et c'est plus rapide. Donc on retombe en fait sur le résultat qu'on avait obtenu expérimentalement, comme quoi en eau chaude on a une diffusion qui est un peu plus lente, mais plus intense. On constate effectivement qu'il y a plus d'attractants, et on a mis effectivement plus de temps à les libérer. En eau froide, la diffusion est plus rapide, mais beaucoup moins intense. Donc voilà un peu l'effet robinet. Depuis tout à l'heure je vous parle d'eau chaude, d'eau froide, mais vous allez me dire c'est pas très concret, c'est à partir de combien de degrés? Et ben, on s'est rendu compte expérimentalement que la bascule entre l'eau chaude et l'eau froide elle s'effectue environ à 13-14 degrés Celsius. Alors c'est pas au degré près, et puis effectivement c'est pas quand on passe de 14 à 15 degrés, ça y est le robinet devient grand ouvert, et quand on passe de 13 à 12 en automne, et ben tout se ferme. C'est progressif, et il peut être entre-ouvert, mais plus ou moins ouvert. Et donc voilà, moi je vous invite plutôt à retenir un peu la démarche générale, se dire qu'en eau très froide, bah, les attractants sont un peu coincés à l'intérieur par ce robinet de la température qui est fermé, et qu'en eau très chaude, eh ben, il est grand ouvert et qu'on peut libérer la totalité des attractants. Et qu'à l'automne, au printemps, eh ben, on est un peu entre les deux. Voilà. Tout ça, il y a un petit mémo aussi sur le marque-page. Maintenant, on va parler de choses très concrètes, on va quitter la théorie et on va parler comment choisir son appât dans le commerce lorsqu'on est dans un rayon de pêche, ou comment concevoir son appât si on est rouleur. Déjà, quand on choisit un appât, on a certains critères qui rentrent en compte, donc la stratégie de pêche qu'on veut mettre en place, le temps de pêche, la présence ou non d'indésirables, parce que parfois la bouillette, c'est pas du tout le bon appât, la température, comme on vient de le voir, et puis malheureusement, on est tous soumis au facteur prix, qui n'a rien à voir avec la pêche, mais qui a à voir avec notre portefeuille. Donc là, c'est pas de la grande science, mais c'est un peu les différents facteurs qui rentrent en compte lorsqu'on choisit un appât. Et on va venir pondérer l'un ou l'autre en fonction de ce que l'on veut mettre en place. La première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça vaut vraiment le coup de choisir son appât et perdre du temps à ça? Alors, parce que finalement, tous les appâts de toutes les marques qui sont présentes au forum de Montluçon, ils prennent des poissons. Faut juste savoir les utiliser en clair. Mais tous prennent du poisson. Je suis partisan du fait que si on gagne 2% à bien choisir son appât et qu'on prend 100 poissons à l'année, bah, ça fait 2 poissons de plus. Et bah, 2 poissons de plus, il suffit que ce soit les plus beaux de la saison, il suffit qu'ils soient intéressants pour se dire que ça valait le coup en fait, de bien choisir son appât. Ça, c'est un peu une religion, mais je pense que ça tient la route. Et ensuite, bah, je me suis dit, en tant que pêcheur, on est tous influencés par du marketing, par des facteurs comme le prix, qui n'ont rien à voir avec la pêche. Et donc, j'ai mis au point un algorithme d'intelligence artificielle qui prend en compte
l'ensemble des résultats expérimentaux, donc des temps de diffusion, la masse d'un appât, sa densité, son pourcentage de protéines, de matière grasse, etc., etc., tout un tas de paramètres, et qui vient me dire en gros comment l'algorithme y comprend le marché de la bouillette. Donc là vous avez une courbe, enfin des points, pardon, qui représentent en fait chaque petit rond, c'est un appât. Et comment on lit ce graphique, en fait, les appâts qui sont proches, ils ont un comportement proche. Par exemple, voilà, vous avez la Legendscope X printemps-automne, Legendscope X été, qui sont des appâts roulés par la même personne, qui appartiennent à la même entreprise, et en fait, c'est sans surprise qu'ils se retrouvent relativement proches. Voilà, j'ai zoomé cette partie-là. À l'opposé du graphique, vous avez la Uranus et la Jupiter, qui sont deux appâts, pareil, roulés par le même artisan, de la même façon, et qui se retrouvent à l'autre bout du graphique. Donc ces appâts-là se comportent de la même façon, ces deux-là se comportent de la même façon, mais par contre, ce groupe-là et ce groupe-là ont des comportements très différents. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est pas le marketing, c'est un algorithme bête et méchant qui prend juste des statistiques récupérées dans une base de données et qui nous dit, bah voilà moi ce que j'en pense. Donc là, pour le coup, c'est pas influencé comme moi je pourrais l'être. Donc comment utiliser ce graphique? Eh ben, si vous pêchez avec la Live System, par exemple, qui est ici, qu'elle vous convient bien, mais qu'elle est trop chère, elle est pas assez chère, elle a pas la bonne couleur, et bien vous allez chercher des appâts qui sont à côté, qui devraient avoir globalement un comportement semblable, mais qui par contre seraient peut-être moins chers ou plus chers, ou qui auraient la couleur qui vous convient. Par contre, si vous pêchez avec la Live System toujours, qu'elle vous convient pas du tout, et bien vous pouvez aller taper à l'autre bout du graphique, la Ecoton par exemple, et vous allez avoir un comportement très différent. Et donc vous allez essayer de taper dans quelque chose de très différent. Donc comme quoi, choisir son appât, c'est quelque chose qui est assez judicieux. Comment on fait pour choisir son appât concrètement? Nous, on a mis au point, on a analysé une centaine d'appâts du commerce, on en a fait des fiches produits pour aider un peu le consommateur à être aiguillé. Donc on a une description, on a remis un peu les performances brutes pour que vous puissiez vous faire votre propre avis, et puis on a donné aussi un peu notre avis, c'est à prendre ou à laisser, mais voilà, on a fait un détail de toutes ces fiches. Elles sont dans le livre, mais elles sont également feuilletables en libre-service sur notre stand, donc n'hésitez pas à passer. Et puis de toute façon, si vous voulez y avoir accès, s'il y a un produit qui vous passionne, vous voulez l'affiche, vous nous envoyez un message, il y a possibilité de s'arranger. Choisir son appât, c'est dans le commerce, on peut utiliser ses fiches par exemple, mais on peut aussi concevoir son propre appât. Donc pour des professionnels qui veulent réaliser des recettes, ou pour un particulier qui veut rouler sa propre recette, et ben on s'est penché sur la question, et donc on a roulé des appâts sur mesure, dont on maîtrisait précisément la proportion de chaque farine, et on a fait varier ces proportions pour ensuite faire des tests. Donc par exemple, on a pris une bouillette avec 30% de farine de maïs, 30% de farine de blé, 30% de bird food, et on a réalisé les mêmes tests. Donc des analyses de diffusion, des analyses sur l'effet de l'immersion, de la température, etc. Donc cette partie-là, elle va être un peu plus descriptive, mais elle est résumée sur notre petit marque-page. Et le but, c'est surtout de retenir que chaque paramètre a une influence, et qu'il y a vraiment possibilité de jouer sur ces paramètres pour adapter votre bouillette à la température par exemple. Premier facteur qu'on a regardé, c'est la cuisson. Donc forcément la cuisson, elle va jouer un rôle sur votre appât, elle va venir le renforcer, elle va aussi, plus vous augmentez la cuisson, plus il va y avoir des attractants qui vont se libérer dans l'eau de cuisson et vous allez en perdre, si vous cuisez à l'eau bien sûr. On constate également que si la température de l'eau dans laquelle vous pêchez augmente, donc si vous pêchez en été par exemple, eh bien vous pouvez arriver à un résultat identique en cuisant un peu moins votre appât que si vous pêchez dans une eau froide. Donc ça va vous permettre un peu de jouer sur des paramètres, donc en cuisant votre appât vous allez pouvoir le rendre un peu plus estival par exemple, ou un peu plus hivernal en fonction du temps de cuisson que vous adaptez. On a fait varier dans ces fameuses bouillettes roulées sur mesure les proportions de farine de blé et de farine de maïs. Et là on tombe sur des choses qui sont très très intéressantes, moi je trouve que c'est assez passionnant. C'est que, à haute température, la farine de blé et la farine de maïs ne jouent aucun rôle sur la diffusion. Par contre, lorsque la température baisse, on arrive plutôt vers l'hiver ou vers la fin de saison ou le début de saison, eh bien, ces deux farines jouent des rôles complémentaires. Si vous augmentez la proportion de farine de blé, le temps de diffusion va diminuer à basse température. Donc, si vous augmentez votre proportion de blé, eh bien, en hiver, vous allez en avoir un appât qui diffuse de façon plus intensive. Et c'est exactement le contraire de ce que fait le maïs. Donc si vous inversez du maïs avec du blé, et vous obtenez un appât plus adapté à la période hivernale. Et si vous augmentez le maïs par rapport au blé, vous avez un appât plutôt estival. Ces deux facteurs, ces deux farines jouent aussi un rôle dans ce qui va être de la capacité de l'eau à pénétrer dans l'appât. Donc le blé va favoriser la pénétration de l'eau, alors que le maïs va avoir plutôt un effet hydrophobe.
Donc ça, ça permet aussi de jouer, si vous voulez jouer sur les textures de votre appât et sur sa durabilité au fond de l'eau. Deux autres facteurs qui sont assez intéressants, c'est le soja et le bird food. Alors, on s'est rendu compte que le soja, il a tendance à fragiliser votre appât, mais qu'une association soja plus bird food augmente un temps de diffusion en eau chaude. En eau froide, le bird food ne joue aucun rôle sur la diffusion. Ça, c'est contraire aux idées reçues, c'est contraire à ce que beaucoup de gens disent, mais on l'a testé plusieurs fois parce que justement, on était surpris par ce résultat. Le bird food, j'insiste, ne joue aucun rôle sur la diffusion en eau froide. Et en fait, avec l'effet robinet, on peut tout à fait le comprendre. Ce qui freine, ce qui permettrait d'accélérer la diffusion en eau froide, ce serait la capacité de l'eau à extraire des attractants, et pas la capacité de l'eau à pénétrer vers le cœur de l'appât. L'eau va plus vite vers le centre qu'elle n'arrive à extraire des appâts, si vous voulez. Et donc, on comprend que le bird food en eau froide, il ne change rien. Par contre, en eau chaude, c'est intéressant, il n'y a pas de doute là-dessus. Dernier point qu'on a analysé, c'est l'huile. Alors là, vous avez sur la gauche une image d'un appât qu'on a étudié et qui libérait beaucoup de micro-gouttelettes d'huile. Donc, comme quoi, il y a déjà des rouleurs qui ont bien compris que mettre des micro-gouttelettes d'huile, enfin insérer de la matière grasse, c'est pertinent. L'huile, en fait, les résultats qu'on a eus sont assez intuitifs, finalement. Parce que l'huile, c'est intéressant, c'est à la fois hydrophobe, mais c'est également, ça a également la propriété de figer en eau froide. Et donc, tout ce qu'on pourrait imaginer comme comportement, eh bien, il se retrouve, on l'a testé, validé. Donc, la diffusion est freinée à basse température, c'est normal, l'huile a figé, et donc elle freine la diffusion. Et également, l'huile étant hydrophobe, limite la pénétration de l'eau vers le cœur de l'appât, et donc évite son ramollissement, et donc l'effet de l'eau qui vient détruire l'appât. Voilà un petit peu ces différents facteurs pour essayer de choisir, pour concevoir son appât. Je suis tout à fait conscient qu'on n'a pas toutes les recettes, on n'a pas étudié toutes les recettes, toutes les combinaisons, toutes les farines du marché. Ce sera une étude, il faudrait 10 vies pour le faire. C'est un embryon de recherche qui permet juste en fait de montrer qu'en jouant sur ces paramètres-là, on peut vraiment piloter le comportement de son appât et qu'il y a de très belles choses à faire. Ce que je vous invite vraiment à retenir de cette conférence, c'est les 20 heures d'espérance de vie d'une bouillette, qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle vive plus longtemps, il ne faut pas s'attendre à des comportements miracles. Je vous invite aussi à retenir cet effet robinet et essayer de comprendre, cette compréhension des différents robinets, comment ils interagissent en fonction de la température et cette bascule de 13-14 degrés qui permet de jongler entre le domaine des eaux chaudes et le domaine des eaux froides. Et enfin, le fait que pour choisir et concevoir son appât, on a des outils qui permettent d'optimiser sa pêche et de gagner quelques pourcentages de plus dans sa réussite, dans la réussite de sa pêche. Et je pense qu'à la fin d'une saison ou à la fin d'une vie, ça compte franchement. Je vous remercie sincèrement pour votre attention, prétention d'avoir tout compris, tout découvert. On n'est pas des professionnels du milieu de la pêche à la carpe, on a chacun nos occupations annexes. On fait ça sur notre temps libre, on est passionné, on fait ça avec grand plaisir, mais on ne peut pas tout faire non plus, notre temps libre est compté. Donc on est déjà assez content de vous présenter ces résultats-là, qui sont certes incomplets. On est évidemment ouvert aux critiques, aux remarques, mais on est bien content de vous l'avoir présenté. J'espère que cette conférence vous aura plu, et j'attends vos questions avec impatience. Merci beaucoup. Alors la question c'est, est-ce qu'il y a une influence au niveau des parfums? Alors nous, ce qu'on a étudié en matière de diffusion, c'est l'ensemble des attractants. On n'est pas en mesure de dire, en premier lieu c'est telle huile qui sort, ensuite c'est tel attractant, ensuite c'est tel arôme. Ça on ne peut pas le dire, nos expériences ne permettent pas de le dire. Elles font la synthèse de tous les attractants qui sont libérés dans le milieu subaquatique. Et tout ce qui va être relatif aux carpes, au choix de la carpe, ça on ne peut pas trop trancher, dire si elle préfère tel arôme ou tel arôme. Nous, c'est vraiment essayer de comprendre comment l'appât se comporte et pas comment l'appât réagit face au poisson. Voilà. Ouais. Pourquoi est-ce que le bruit, quand on passe près de la porte de pêche, fait que le poisson quand on marche? La question, c'est pourquoi est-ce que quand on fait du bruit au bord de l'eau, ça fait fuir les poissons? En fait, parce qu'il y a quand on marche, ça crée des ondes qui sont très facilement transmises dans l'eau, et l'eau transmet très très loin les ondes, beaucoup plus que l'air. Si vous criez au fond de l'eau, on va l'entendre beaucoup plus loin que si vous criez dans l'air. Donc globalement, c'est un peu pour ça. Il faut être discret au bord de l'eau. Ouais. Non, parce qu'on n'a pas pu étudier l'effet de l'alcool, on a étudié vraiment l'effet de l'huile, parce que son comportement singulier avec l'eau, c'est ça qui nous intéressait. Et on a dû faire des choix, on a pris des éléments assez simples. C'est vrai qu'on aurait pu étudier l'effet de l'alcool, mais après les alcools ils sont très peu présents dans les recettes.
L'eau, c'est de l'eau distillée, pH 7, 20 degrés Celsius. Et les appâts, je ne l'ai pas précisé, c'est des appâts en 20 mm. La grosseur de bille, elle vient changer effectivement les facteurs. Ce qu'il faut se dire, c'est si l'appât est plus petit, il va être plus rapidement attaqué par l'eau, il va diffuser plus rapidement. Si l'appât est plus gros, il va être plus résistant à l'eau, il va diffuser plus longuement et de façon plus intense. Voilà. Il faut savoir qu'on n'a pas fait de chapitre exprès dans le livre, mais en clair, c'est ça la conclusion. Oui ? Attends, il y a le micro. Dans votre étude, est-ce que vous avez regardé les taux de protéines, les taux d'acides aminés dans les bouillettes pour voir un peu quelles influences pourraient avoir sur la liaison des bouillettes pour avoir le temps de diffusion? Absolument, on a regardé un peu ça. On s'est appuyé sur les chiffres qui étaient affichés sur le packaging qui affichait le taux de protéines de chaque appât. Il faut savoir qu'on espérait trouver quelque chose et se dire que juste en lisant le recto, avec un taux de protéines, un taux de glucides, un taux de fibres, on arrivera à tirer des conclusions sur l'appât. Malheureusement, on peut rien dire, on peut rien anticiper par rapport à ça. C'est pas en voyant un appât qui a 40% de protéines ou 10% de protéines qu'on peut se dire « Ah ben, il va diffuser plus vite, plus lentement ». On a fait des autocorrélations entre tous nos chiffres et il n'y avait aucune influence là-dessus, il n'y a pas de conclusion directe là-dessus. Une autre question ? Ah, attendez. Est-ce que vous avez envisagé les incidences de la cuisson vapeur ? On y a pensé. Après, vous savez, c'est un temps monstrueux que de tout faire et on a fait le choix de le faire par une cuisson à l'eau. Probablement dans le prochain guide de la bouillette sur lequel on travaille, on fera des études sur la cuisson vapeur, mais là c'est vraiment que de la cuisson à l'eau qu'on a fait. Donc les conclusions qu'on a tirées, en vapeur ça va être plus ou moins la même chose, peut-être un peu plus ralenti, un peu plus modulé, mais pour vous répondre, c'est vraiment que de l'eau qu'on a fait parce que on est limité en temps, en énergie, en moyens, et on a fait ce qu'on pouvait avec les moyens du bord, on va dire. Ouais. Figurez-vous que non, dans ce qui est du comportement de l'appât, quand vous payez un appât, vous ne payez pas un temps de diffusion, vous ne payez pas une capacité de résister aux indésirables, vous ne payez pas une capacité de résister à l'immersion, il n'y a aucun lien entre les deux. Donc on a utilisé encore une fois, un petit peu comme la question des protéines, l'outil de corrélation, il n'y a pas de lien entre ça. Après c'est sûr que le prix de l'appât, il reflète quand même initialement un coût de matière première qui est plus important, il y a un prix de marketing, il y a plein de facteurs. Mais non, on n'a pas trouvé de lien direct entre le prix de l'appât et son comportement. Oui ? Ma question, c'est que vous avez parlé du temps de cuisson, mais vous n'avez pas parlé du temps de séchage. Le séchage, c'est une bonne question. Tous les appâts ont suivi le même protocole de séchage de 48 heures. Non, pas du tout. C'est que des billes denses en 20 mm. On envisage de faire des analyses de pop-up aussi, mais ce qui nous manque encore une fois, c'est le temps. Mais y aurait des choses à faire, il y a des choses super intéressantes en pop-up, en booster, en pellets aussi, toutes ces choses, en graines. C'est tout un tas de facteurs sur lesquels on aimerait travailler. Ça va venir par l'avenir, ça va venir avec le temps, mais là, à l'heure où je vous parle, on s'est concentré sur les bouillettes denses. Déjà, on a réussi à en récolter plus d'une centaine, on était assez contents. Donc voilà, mais ça va venir dans les années à venir, on va travailler dessus. Oui. Oui. Bah ça revient à ce qu'on parlait sur l'effet robinet et l'influence du bird food. En eau froide, la granulométrie, elle joue aucun rôle. Donc en eau froide, vous pouvez mettre ce que vous voulez. C'est pas la granulométrie de l'appât qui va permettre d'accélérer votre diffusion. En eau chaude, c'est vrai. Plus votre appât va être granuleux et plus l'eau va pouvoir migrer rapidement vers le centre, plus la diffusion va être rapide et plus l'appât va se désagréger aussi. Malheureusement, c'est le revers de la médaille. Mais en eau froide, c'est vraiment pas la granulométrie qui va accélérer la diffusion. Ce qui va permettre d'avoir un appât plus performant, plus efficace, plus intense au fond de l'eau en eau froide, ça va être l'ajout de matière soluble, donc des protéines, enfin
des protéines de poisson solubles, des liquides, tous ces facteurs-là qui se dissolvent très rapidement, très facilement dans l'eau, du sweetener, du sel, tout ça qui va vraiment au contact de l'eau tout de suite se volatiliser, bah ça va être intéressant. Mais la granulométrie ne joue aucun rôle à basse température. Petite dernière. Non. Bon bah en tout cas merci d'être venu, c'était très sympa. Je vous remercie à vous, on est au hall C et puis on sera ravis de discuter et de poursuivre cette conférence avec vous. Merci.